Yo les gens, on est en live sur God of War Ragnarok pour continuer notre live. Ah, ça fait 2h20 qu'on est en live puisqu'on jouait à Forza Horizon un tout petit peu avant. On va continuer God of War, on est encore au début de l'aventure. On a joué à 3h30, 4h hier. Donc on va continuer cette aventure. Et puis on verra bien jusqu'à quelle heure, parce qu'il est actuellement 20h40. Je pense... Je peux pas vous dire en vrai. Pareil, on arrête dans 1 heure comme on arrête dans 3 heures. Mon frère, as-tu jamais pensé à cuire de la viande avec ses lames? Non. Elle l'infecterait. À cause de la magie en elle? Tu sens. Ah, on va avancer. Putain, je sais pas exactement où on doit aller. Direction à peu près. Il y a beaucoup d'objectifs secondaires qu'on va battre. C'est horrible, Toréodin ont-ils fait? Oh, je sais. Il y a eu Scathi, la reine de la chasse. Oui, elle a repoussé les avances d'Odin, alors il l'a amenée à tuer son père malgré elle. Ah, mais c'est assez pour le moment. Ah, sans les tours de forage, il paraît un peu plus pur, c'est vrai. Il ne paraît pas, il l'est. Oui, c'est vrai. Merci, mon frère. C'est là où il faut. C'est, je pense. Ça, l'office de sûreté? Eh bien, c'est ce que semble indiquer le panneau là-haut, qui menace dangereusement de se casser la figure. Oh, la discrétion, toujours. Nous venons voir Durlin. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Quelqu'un a-t-il vraiment déjà pris rendez-vous? Tu viens chercher quelque chose, mon grand? Tu crois pouvoir me faire peur et me forcer à accepter la proposition d'Estrid en venant chez moi avec une tête coupée à la ceinture, hein? Nous recherchons un prisonnier d'Odin. Il est retenu dans une mine. Des amis nous ont dit que vous pourriez nous aider. Où as-tu trouvé? Tu l'as décapité avec ça, elle aussi? Fey était ma femme. Dîner et moi. Un peu chaud, oui. Nous demandions où elle était passée après notre petit coup d'état raté. Raté? Oui, tiens, regarde. Raté. Fey est morte. Tous les meilleurs le sont. Les survivants doivent payer le prix. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider avec votre prisonnier. Mais il pourrait être utile pour arrêter Odin et pour chasser les as de Svartalfheim. Contrarier le père de tout ne fait plus partie de mes ambitions. Attendez, avant de partir. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Une amende. Violation des normes d'hygiène pour transport illicite d'une tête pourrie. Deux blâmes pour vaine prononciation du nom du père de tout. Et ah oui, pour avoir salopé mon bureau. Une amende? À payer quand vous voudrez. D'accord. Dégagez de mon office. Bonjour, toi. Quelle partie de dégager de mon office vous ne comprenez pas?
Vous dites qu'elle s'appelle Dinner ? Oh, oui. Merci. J'imagine. Je sais pas ce qu'il faut. C'est l'office. Il est venu pour pas grand chose quand même. Hey, mais ce n'est pas une amende. Plus tard, il y a des ennemis devant. Qui a le pas ? Corée ! Ce morne s'est trouvé un perchoir. Aide-moi ! Attention, lève les yeux. Je regarde un truc deux secondes, j'ai reçu un message. Vas-y, mais... Ils sont chiants quand ils sont en hauteur comme ça. Il y en a encore d'autres. Il s'accroche au mur, on doit le faire tomber. Encore là ? Ouais, tu peux récupérer. Ah, tiens, Durlin nous a quand même aidé. Tout le monde ne se bat pas avec des haches et des flèches. Casse tout, on casse tout, on casse tout. Putain, de la mine derrière la montagne. Ça sent quelque chose. Pas par où on doit passer. Porte. Je crois que je vois quelque chose. Je crois que cette chose peut nous faire gravir la montagne. On arrivera peut-être à voir une mine de là-haut. Ah,
Il n'y a rien de tel qu'une balade en train de nain. Si on a peur, non. Quand tu seras prêt, nous prendrons ce wagon pour gravir la montagne. Oui, bah j'ai entendu. Compris. Marqué au fer rouge ? Les rébellions ratées ont tendance à entraîner des châtiments aussi prompts que durables. Est-il un capitaine de Houdin ? Oui, et le détenteur du Gyalaor, un véritable zélote, s'il en est. Peu de choses sont aussi dangereuses chez un homme que l'absence de doute. Je crois qu'on est arrivé. Allons-y. Par ici ! Je vois un autre wagon. On devrait trouver un moyen. Là, on est en haut de la montagne. Peut-être que Tyr nous mettra à l'abri. On aurait dit qu'Odin ne voulait vraiment pas qu'on trouve. Une fois Tyr libre et redevenu dieu de la guerre, Odin n'aura plus le temps de se soucier de nous. S'il désire mener cette guerre, il la mènera. Cherchons. Un truc à... Alors qu'on voit s'il y a des ruines. Alors, je vais bloquer ce coffre. Wow, c'est un Dreki ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Fais attention. Je crois qu'il est mort. Oui, complètement mort. Hé, hey, je me demande si... Oula. Allez hop, tu dégages. Ensemble. Oh la déboîte. Il était coriace. Sois sur tes gardes. Il peut y en avoir d'autres. On l'a un peu déboîté. L'homme de l'angoisse. Aura causé leur perte à tous les deux. Bon. Je crois qu'on oublie qu'il y a des ruines quelque part. En bas, j'aperçois une mine. C'est sûrement celle dont Durlin parlait. Il y a des rails là-haut, sur la gauche. Trouvons peut-être un autre wagon. Père, si la guerre contre Odin n'était pas que celle de Tyr, si c'était la nôtre aussi. La guerre n'est pas la seule solution. Pas vu de ruine, quoi.
s'appelle. C'est sûrement leur nid. Tiens, non. On va devoir remettre celui-ci sur les rails. Pratique d'avoir une force surhumaine. Oh, c'est tout petit. Très bien, nous devons aller à gauche. Non, ma gauche à moi. Continue. On est tout près, juste un peu plus à gauche. C'est beaucoup trop loin. Mimir, dis-lui à gauche. On est tout près, juste un peu plus à gauche. Oui, c'est ça. Allez, c'est reparti. Le petit Kraken t'a donné une pierre. Le Kraken. Oh, Dinah. Oui, elle est couverte d'algues. Je pensais qu'on pourrait la montrer à Brock et Sindri à notre retour. Tiens. Bon, si on est venu ici chercher Tyr, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à Odin. On y réfléchissant bien, à une guerre pourrait... Oula. Sur ta gauche. Ah. Aïe. Ça pique. Aïe. Oh le bâtard. Eh ben, c'est un endroit assez inhospitalier. Ouais.
Ça let's go. Un peu d'argent. Argent on prend. Alors petit, tu t'es laissé un peu aller tout à l'heure. Ce n'était qu'un mot. Brock a déjà fait bien pire. Le mot importe peu. Tu as perdu le contrôle. Mais on tombait. Et de haut. J'ai cru qu'on allait mourir. Veux-tu que ce mot soit ta dernière parole? Non. Face au danger, la panique ne sert à rien. Contrôle-la et utilise-la. Là, on est dans les mines. Regardez par terre, des rails. Ils doivent mener à l'intérieur de la mine. On doit contourner cette caisse. L'eau semble alimenter la grue qui maintient cette caisse en hauteur. Il y a des ennemis. Un peu en galère, hein. Je suis désolé les gars, mais... Ah, il faut que je... Ah non putain. Pas monter là. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux rien faire. J'ai le canal de bois avec la hache. J'aurais jamais pensé ça. C'est bon, plus qu'à traverser. J'aurais jamais pensé à ça. Encore un coffre avec des runes. Le problème, c'est qu'on les rate. Il y a un brasier à gauche du coffre. Tu peux peut-être l'allumer. Alors ça, oui. Merde. Le gros de l'arme. On va trouver les autres runes. Deux autres dans les parages. Cherchons-les, d'accord ? On n'aura pas tous les coffres. Celui-là, lui, je crois qu'il est bonne. Oh, je l'ai l'eau. On l'a trouvé le dernier. Merde non. Ah putain. Ah, je pense que c'est ça en fait. Voilà. Là on a le coffre.
On essaie quand on peut aller faire les coffres. À chaque fois. Je devrais pouvoir monter si tu m'aides. Quand on peut les quand on peut les avoir. Parfait. Je vais aller regarder de l'autre côté. Père, il y a une porte là-haut qui s'ouvre en direction de l'entrée de la mine. Si tu arrives à monter, j'aurai besoin de ton aide pour la soulever. Si. Comment je peux faire? Oh, un petit effort! Tu peux faire ce saut! Tes genoux sont pas si vieux! Atreus! Ah, il faut bloquer là, ok. Tu y étais presque! Recommence! Ah, il faut le geler un petit peu plus tôt! Il soit à plat en fait. J'ai compris. Et j'ai compris, on va y arriver. J'espère que tu pourras faire ce saut-là. C'est encore une de ces eaux, j'en bois. Je me demande où les nains vont chercher tout ça. Ah, c'est certainement dû à leur grand sens pratique. Pourquoi faire l'effort quand on peut laisser faire la nature? J'espère que Thierry est ici. Atreus, on cherche des informations. Je sais. Arrête de croire que je veux déclencher la guerre. Pourtant, tu ne dis pas le contraire. Mes frères, peut-être devrait-on laisser cela de côté. Oh, allez où? Avec ce bleu. Et là. Je sais pas. Là, je sais pas encore. Fallait faire. Est-ce que j'avais tiré à côté? Maintenant je remonte. Soulève de ton côté, je le ferai du mien. C'est plus lourd. Qu'est-ce que je pensais? Merci. Continue. Un labyrinthe, hein, c'est mine. Que c'est l'entrée de la mine de Durlin. Ça sent le boss. Pour lui. Autre chose pour vous. Sindri. De quoi parles-tu? Puisqu'il vous manque une source de lumière, désolé, et que vous ne voyez pas quelle abomination rôde dans les ténèbres, ceci devrait vous aider. Reprenez votre exploration. Du balai. Merci, Sindri. Attends, que veux-tu dire par... abomination. Tire. Attention. Au mur, on doit le faire tomber. Derrière toi, prends garde. On a échappé belle. Hop, ça c'est fait. Je casse tout. Qui se casse? Je le casse. Je crois qu'on y est. C'est cette mine.
intéressant. Cela dit, nous ne pourrons rien en tirer avec notre équipement actuel. Bien. Attention! Bon, on dirait que l'entrée officielle de la mine est bloquée. Il doit y avoir un autre moyen. Par ici. Ah, au moins ce n'est pas une impasse. Allez, voyons où ça nous mène. Bah, let's go. Hein. Ah, c'est encore eux? Allez, petit monstre de merde, hein, histoire de dire il y a des ennemis quoi. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Viens le pas. Let's go, on avance. Confirme que nous entrons bien dans une mine. Je crois que j'entends l'eau s'écouler. Ralentis, Atreus. Sois prudent. Tiens-toi prêt. Oui. Bon, je crois que j'ai trouvé d'où venaient ces calamités. Ils vont te déborder. Ne t'éloigne pas. Saloperie quoi. Portable, hein. Je vais pas mourir quoi. Je crois que c'était le dernier. L'odeur de ces choses est vraiment répugnante. Un maigre prix à payer pour le dérangement. Ne restons pas là. Désolé, tu m'as dit d'oublier ça, mais j'arrête pas d'y penser. On a passé tout notre temps à combattre ces choses. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aux côtés de Tyr. On ne le connaît pas. On a vu ses fresques. C'est un chef. Il s'est opposé seul à Odin. S'il l'a déjà fait, pourquoi il ne recommencerait pas? Des images de temps lointain ne disent pas toute l'histoire. Un manège, en fait. Une porte. Dès que nous serons descendus, nous irons voir si elle peut nous mener à Tyr. Peut-être on est dans un manège, là. Ces derniers temps, j'ai comme la sensation que tu m'en veux. Depuis qu'on est arrivé à Svartalfheim, tu critiques chacun de mes choix. Si tu ne me crois pas capable de nous diriger, dis-le. Ce n'est pas ta compétence qui est mise en doute. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pense à tes intentions. Cet endroit est immense. La construction a dû prendre une éternité. Encore une porte. On devra s'en occuper aussi. Les instructions de Durlin ne disent pas laquelle. Non, rien qui puisse nous aider. Ce que tu as dit tout à l'heure, sur mes intentions. Je veux aider le dieu de la guerre à arrêter Odin. Et pour ça, il faut d'abord le libérer de la prison où il est retenu. Approchez-vous, les amis. Sindri ? Mais il est partout, là. En sortant, un pied après l'autre. Il y a des clous rouillés absolument partout. Penses-tu que Tyr soit ici ? Comme si j'allais m'aventurer dans ce labyrinthe d'égouts malodorants. Non, vous vous débrouillerez très bien tout seul. L'eau me paraît pourtant assez limpide par ici. Justement, paraît.
améliore, on améliore. Le feu est en fait un désinfectant. Elles sont donc très hygiéniques. Je suis, comme toujours. Ah merde. J'ai amélioré que les anges, je peux améliorer l'armure aussi, je pense. Je créerai tout ce que tu voudras. Cher quoi. L'armure, c'est cher. Donc, je vais te débarrasser de ça. Et laver. Et c'est couvert de sang. Merci. Rien ne te ferait plaisir? Allez, on avance. On va taper un petit peu plus. Regardez, il y a une porte de l'autre côté. Tirez peut-être derrière. Celui qui a écrit ça avait le souci du détail. Ah si. Alors. Chose retient l'eau. Ah oui, je vois. Et sinon tu peux pas tirer. Tirer pas où il fallait. Repris son cours, mon frère. Et maintenant. Et maintenant, je pense qu'il faut la geler. Comme d'hab. Oh, l'eau déborde à l'endroit où tu as gelé cette auge. Ça peut être utile. Je l'ai au bon endroit, je pense. Il doit y avoir un moyen de faire tourner la roue, non? Je l'ai ici. Ça a marché. Voyons ce que cache cette porte. Ok. Tire. Petit, je doute fort que nous trouvions tir à l'intérieur. Mais il est forcément quelque part ici. La mine est immense. Atreus, tu parles comme si tu connaissais le plan d'Odin. Que comptes-tu l'empêcher de faire? Je ne connais pas son plan. C'est pour ça que... Mes frères, entre Fimbulvetr qui a déjà commencé et l'arrivée imminente du Ragnarok, Odin sera prêt à tout. Quoi qu'il ait prévu de faire, il sera certainement le seul à en bénéficier. Exactement. Let's go. Bon, pour le moment ça se passe bien, en vrai l'aventure est pas très dure. On n'a pas mis la difficulté très élevée. Puis les énigmes en vrai ça va. Réfléchissant un peu on y arrive. Bon, y a des coffres qu'on rate mais voilà, c'est ce que j'ai envie de... Là, je comprends pas comment on les chope certains. On va réfléchir un peu plus. C'est vrai que... Je peux pas tant que je suis en combat ça. Là, je peux le récupérer. Bah, on avait pas récupéré cet argent là. Cela nous éclaire-t-il? Explorer.
voudrais pas te saper le moral, mais il s'agit d'une mine. Un petit peu d'argent. Tu as vu ça là-bas? Je sais pas comment. Il y a une porte brisée en haut à gauche derrière cette grue. Tira peut-être tenter de fuir. Allons voir. C'est remarquable. Le débordement de l'eau actionne la grue. L'élévateur n'a pas l'air fonctionnel. Je dois faire pour qui? Je parie que cette roue à aube alimente l'élévateur. Il faut en faire quelque chose. Oui, probable. Je pense pas que c'est ça qu'il va faire. C'est pas cette roue là qu'il faut. Celle-ci qu'il faut. Père, là-haut. Bien joué. L'eau va continuer de couler sur les côtés. Pouvoir s'approcher de la roue de l'élévateur. Et voilà. Et là, c'est bon. L'élévateur jusqu'en haut. On y est presque. Nous serons là-haut en un rien de temps. Ben non, je suis pas bon. Attendez. Descendre. Okay. Ça en fait. Logique. Rampons sur cet élévateur. Tire naissant de. C'est logique. On y arrive à force. En réfléchissant un peu. Tac, là je rappelle ma hache, comme ça on remonte. Dans quel état d'esprit doit se trouver Tire enfermé dans cette mine? Si Odin m'avait emprisonné et que j'étais enfin libre, ce serait évidemment ma priorité. Mais je voudrais surtout me battre. Contre n'importe quoi. Juste pour voir si j'en serais encore capable. On va finir par trouver Tyr dans cette mine. Je suis pas sûr en vrai. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il va se passer un truc. Une autre calamité. On vient pour rien, c'est il va se passer un giga truc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas Tyr. Continuons à chercher. C'est une relique? Ce nain ne s'en est pas sorti. Les reliques ont fait un pouvoir spécial qui s'active. Oh.
À ta gauche. Un morne est perché là-haut. Fais-le tomber. Je sens un courant d'air. On pourra peut-être sortir ici. Par où doit-on aller ? Comment? Voilà, je pense. Chercher quand même des villes, en fait, faut juste sortir là. Vraiment, les énigmes, c'est pas mon fort. Encore une chambre vide. Petit frère, il est peut-être temps de... Non, pas un mot de plus. On va le trouver. Regardez, de l'autre côté de la grotte, une porte. Allons-y. Viens, Alpha. Que nous nous trouvons au-dessus du bateau où nous avons laissé Sindri. Cette mine est une gigantesque spirale. Oh non. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi ? La chaîne est bloquée. Voilà qu'il faut aller. Des messages sur Messenger. Je crois que j'entends quelque chose là-dedans. À rentrer. À la porte. Pas n'importe laquelle. Ce visage de pierre surplombait l'entrée du Moulin Monde, l'œuvre de Dorin le Généreux. Encore un puits de Drogar. Rapide ! Tu brûles ! Allez là. Ça passera. Drogar, sur la gauche ! Nous l'avons combattu à l'autre puits des Drogars.
m'étais pas préparé à ça. Offre de boss. Où peut-il bien être ? Atreus, 7000. Renouvellement, on perd un peu de force. Il est en grande partie abandonné. Il est sans doute. Tire ici, je le sais. Les instructions de Durlin s'arrêtent à l'entrée de la mine. Nous devons chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Vous comprenez ce que je dis. Et je dis qu'on continue. Alors arrête un peu. Surveille tes paroles. Je te suivrai. Mais je te dis ce que je vois. Tu peux ne pas être d'accord, mais je t'interdis de me parler sur ce ton. Voilà. Oui, père. Et la chaîne était bonne. Je crois que c'est bon. Quand tu veux. La dernière porte. Il est forcément derrière. Nous verrons bien. Il faut déjà qu'on parvienne à l'atteindre. Grimpe. Il cherche un autre moyen. Je crois que je vois une manivelle là-bas. On a déjà utilisé Atreus, j'ai un autre exercice mental pour toi. Quelqu'un comme Tyr, qui passerait sa vie à combattre, aurait-il le moindre désir de faire ses preuves? Les preuves étant la destruction semée dans ce sillage. Si la destruction semée, c'est des mauvaises personnes. C'est le problème. Merde. Ce n'est pas à la guerre que l'on mesure la force d'un homme. J'espère que tu le comprendras un jour. Je dirais que cet engin fait tomber du minerai dans l'auge. J'ai compris encore. Quoi ? Quel timing ? Le timing est horrible. Timing est horrible en fait. On y arrive, on y arrive. Il faut juste un petit peu plus de temps que certaines personnes, je pense, pour... Ça peut être la bonne. Pour y avoir comprendre certains trucs. De mal, quoi. Mais en vrai, ça va. Hein. On doit encore revenir sur nos pas et ouvrir la dernière porte. Juste pour récupérer ce truc-là. Compliqué ce passage dans les mines là. La dernière de toute façon. Mon sang. Vous avez entendu comme moi. Nous ne sommes pas seuls. Ouvrez l'œil et les oreilles. Venez de là-bas. Le passage mène vers la sortie. Pas 20 000 portes, hein. T'as tout fait, c'est la dernière. Mes mots provoquent-ils ta colère ? Ça va, j'ai compris. Mes frères, un instant. Est-ce de la lumière devant nous ? Hé, hey, ça doit être ça. Cette porte est bloquée. Il y a forcément quelque chose derrière. Verrouillé de la sorte. Ce n'est pas un simple placard à balles. Je vois ce qu'on doit faire. Tiens.
Abgerast. Quoi? Par un boss. De nous ici. Forcément là. Dans ce cas, reprenons. Il y avait un piège. Faut péter la porte. Pas avec Odin, on est de ton côté. C'est l'âme. Je te connais. Le tueur de Dieu. Ainsi, c'est pour moi que tu es venu. Je suis venu te libérer. Arrête! Recule! Mon frère, laisse-moi essayer. Tire, tire, écoute. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu as tué Mimir? Non, 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 non. Non, on l'a ressuscité. Non, ne vous approchez pas, sale monstre. Non, reviens, on a besoin de lui. Attends. Oups. Allez, encore des ennemis. Oula. Par ici! Intercepte-le! Je sens que
que je vais me faire balloter. Elle est bien là. Sur ta droite. C'est pas le dernier. Trouvons ton fils. J'ai bien foutu les petits signes aussi pour te dire où il faut aller, tu sais. Je sais pas si vous avez remarqué sur les parois, il y a certains petits signes à des endroits. Et en vrai, c'est plutôt bien. On a fait. Là, il y a des petits signes ici. Laisse-moi tranquille. Tire, écoute, je te jure qu'on n'est pas là pour te tuer. On veut juste te faire sortir. Ne t'approche pas de moi. Te mettre en lieu sûr. Arrête, à la prise d'Odin. Aie pitié. Je te présente mon père. Lui et moi, on aide les gens. Je n'ai pas ma place dehors, pitié. C'est pire quand il se met en colère. N'es-tu pas un soldat? N'es-tu pas un meneur d'hommes? Ressaisis-toi! Mon fils nous a menés jusqu'ici pour toi! Regarde-le! Toi? Pourquoi? Tu ne me connais pas. Je connais tes valeurs. Tu as aidé les géants. Nous voulons t'aider à notre tour. Nous? Et il est temps de partir. Nous accompagnes-tu? Ah. Tiens. Ta statue sur le lac. Tu tenais une lance. J'ai pensé qu'il t'en fallait... C'est une canne? Non. C'est gentil, mais sans façon. Non, merci. Mais... Tant pis. Je... J'ai fui parce que je ne suis pas sûr de ce qui est vrai ou non. Et il arrive que... qu'il y ait... Il n'y a pas de honte, mon frère. Nous vivons dans une époque bien trouble. Vous l'entendez, vous aussi? Mettons-nous en chemin. Il est très grand. Est-ce que tu sens ça? Du vent. Il vient de ce côté. Il y a peut-être une issue pas loin. Par quel nom suis-je censé vous appeler? Je suis Atreus. Tu connais déjà Mimir. Et lui, c'est mon père, Kratos. Comment le fils d'un Spartiate peut-il parler au nom des Jotnar? Ma mère était la dernière géante de Midgard. Lofei? Lofei. Je me rappelle ce nom. Elle aussi voulait aider les gens. Mes condoléances. C'est pas que c'est dur ce passage dans la mine, c'est que c'est quand même assez long. Est-ce que ça va? Ces secousses sont plus puissantes quand on se tient debout. Attends, laisse-moi faire. C'est la moindre des choses. Pourquoi risquer la colère d'Odin pour moi? Eh bien, le Ragnarok approche. J'espère que tu le savais. On s'est dit que tu voudrais nous aider. Vous... vous me libérez pour déclencher une guerre? Non! Tyr, content de te revoir après tout ce temps. Mimir, que t'est-il arrivé? La même chose qu'à toi-même.
Trahison, emprisonnement à perpétuité, torture ignoble entre les mains du père de tout. Tu ne méritais pas un tel traitement. C'est ce que tu penses? Je suis tenté de croire que j'avais un meilleur point de vue là-haut. On l'a trouvé au sommet d'une montagne prisonnier des racines d'un arbre. La seule façon de le libérer, c'était celle-là. Très désagréable, pour toutes les parties présentes. Ah! Est-ce que ça va? La lumière, cela... Cela faisait si longtemps. Il y a un affleurement plus loin. Tes yeux souffriront moins à l'ombre. Viens. Tu as dit que le Ragnarok approchait. Ça veut dire que Baldur... Baldur est mort. Odin l'a envoyé chercher une géante à Midgard, et il a trouvé Kratos. Mais passons. J'ai promis de conduire ces deux-là jusqu'au plus haut sommet des royaumes s'ils me coupaient la tête. Ils persuadaient Freya de me ranimer. Ah. Oui, j'allais y venir. Ce n'était pas qu'un vulgaire massacre. On est de retour dans les zones humides. Attention! Non. Tout va bien. Oh putain, l'attaque de... Merde. Mais là, mais je fais n'importe quoi là. J'ai tous les trucs dans le vide alors quoi. Le truc qui pourrait m'aider, je les balance dans le vide quoi. Bien, bien stupide. Partons avant que d'autres créatures attaquent. Tu aurais dû prendre la lance et te défendre. Non. J'ai renoncé à la lance. Mais tu es le dieu de la guerre. Mon fait, l'on va passer. Et si Odin provoque le Ragnarok, tu ne te battras pas? Pas même si je le souhaitais. Comment je fais? Je vais juste attendre le dialogue. Avant que nous n'allions plus loin, dites-moi, qu'attendez-vous de moi? Vous parlez du Ragnarok. Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez? Est-ce le tir qu'il vous faut? Atreus. Je regrette. Je vous remercie de m'avoir libéré, mais... Mais si vous voulez que je livre une guerre... Ou pire encore, que je la mène... Alors tuez-moi, sans délai. Je n'en ai plus la force. Je suis brisé. Personne ne te tuera, mon frère. Mieux vaut mourir que vivre le Ragnarok. Nous ne voulons pas la guerre. Nous cherchons des réponses. J'ignore comment vous aider. Aucune importance. Les géants croyaient en toi. Voilà le tir qu'on cherche. On a besoin de toi. Très bien. Tout ce que je demande, c'est une bonne nuit de sommeil. Et peut-être un bon repas. Je crois que vous avez aussi les gardes qui me nourrissaient. Mon frère, peut-être pourrais-tu à présent compléter l'histoire. Les fils de Thor nous ont attaqués. Nous les avons tués.
Baldur a voulu tuer Freya. Je l'ai tué. Mais tu as oublié de dire qu'on a affronté et libéré les Valkyries, que les géants ont disparu, et qu'il m'appelait Loki, et qu'on a trouvé les fresques, et... Il n'y a plus de géants. Quand nous sommes arrivés à Jotunheim, ils étaient... tous morts. Morts. Pensez, Godin. Nous l'ignorons. Nous ferions mieux de ne pas nous éterniser ici. Oh, qu'est-ce que c'est ? Les renforts venus d'Asgard. Les Eneriar ne manqueront pas d'enquêter sur ma disparition. Voyage-t-il entre les royaumes à travers le ciel ? Odin détient des ressources que nous ne saurions imaginer. Descendre vers Nissavellir. Est-ce que ça va aller pour les nains ? Il est trop tard pour s'en inquiéter. On doit partir. Bon, tu sais quoi, on va sauvegarder. Et je vais m'arrêter ici, on a fait plus court que hier. Mais je préfère arrêter là parce que je vais aller faire un petit peu autre chose. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. On continuera prochainement God of War. Ça va être un petit peu court ce soir. Et, c'est vrai qu'on avait commencé un peu le stream en retard aussi, donc voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Allez, à plus les gens.